sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc, il s'agit de comment j'épile mes sourcils. Alors, je vous explique. Franchement, je les épile pas avec une pincette parce que c'est un truc qui me fait trop mal. Et je sais pas, c'est un truc que j'aime pas. J'aime pas le faire, donc voilà. Alors pratiquement moi je me pile avec une lame. Donc c'est un truc que voilà, je conseille pas à tout le monde. Moi c'est ma méthode, c'est une méthode que je veux partager avec vous. Mais je conseille pas à tout le monde. Surtout les filles. S'il y a des filles de moins de 18 ans qui me suivent, je vous en supplie, ne le faites surtout pas. Allez-y chez une esthéticienne. Parce que voilà, je veux pas que vous pensiez que c'est un truc que vous pouvez faire à la maison. Vu que vous êtes mineur, je préfère vous dire directement que voilà, ne le faites pas chez vous à la maison. Ne le faites pas. Je vous en prie, ne le faites pas. Si vous êtes majeur, que vous voulez essayer, c'est à vos risques et périls. Moi, je vous fais voir seulement comment je le fais. Et si vous voulez l'essayer à la maison, c'est à vos risques et périls. Parce que quand même, c'est une lame, c'est voilà quoi, c'est tranchant, ça peut blesser, ça peut vous écorcher. Donc, si vous n'êtes pas vraiment pratique de cette méthode, vous devriez aller vraiment mollo. Donc c'est pas compliqué, je le dis, parce que voilà, c'est un objet qui peut blesser, donc voilà, je préfère vous dire attention. Mais c'est pas un truc impossible, c'est pas compliqué. Ça doit faire plus de 15 ans que je le fais, j'ai jamais eu de problème. Voilà, donc si vous voulez utiliser cette méthode là, vous la faites une fois, voyez si ça vous crée pas de problème avant de continuer. Voilà, donc sans plus tarder, on passe à la vidéo. Alors les beautés, pratiquement voilà ce que j'ai comme comme sourcils. Donc j'en ai pas beaucoup, hein, mais bon, de temps en temps, il faut que je les épile, sinon ça ressemble à rien. Donc comme vous pouvez voir, ici je l'ai déjà fait. Donc on voit pas tous les poils qui se baladent un peu partout là. Donc voilà. Donc la première chose que je fais, c'est d'utiliser un goupillon qui est là. Et je vais aller brosser mes sourcils. Il y en a d'autres qui les brossent par le bas comme ça, ils voient mieux la ligne où ils veulent s'arrêter, mais moi bon, j'ai pas vraiment besoin, ça sera parce que je le fais souvent. Donc moi je fais normalement, mais si vous sentez le besoin de les mettre vers le bas, surtout si vous en avez plein, si vos sourcils sont pleins, je veux dire remplis de poils et que vous n'arrivez pas à voir, c'est mieux si vous les brossez vers le bas. Comme ça les poils ils vont vers le bas et vous aurez une ligne assez parfaite, voilà, une ligne délimitée où vous pouvez vous arrêter. Ok, je parle de cette ligne du haut là. Ok, moi comme je n'en ai pas beaucoup, vraiment j'ai pas besoin de faire ça, je le mets normalement. Et puis ensuite je vais utiliser ma lame qui est une nouvelle lame. Utiliser des nouvelles lames parce que bon, donc ça dépend en fait. Donc si vous n'êtes pas, si vous avez peur de vous faire mal ou bien si vous avez peur de tout raser, c'est mieux d'utiliser une lame que vous avez déjà utilisée auparavant, qui n'est pas très aiguisée, je sais pas si vous comprenez. Comme ça, voilà, dès que vous faites ça, ça va vous enlever tout. Voilà, donc quand la lame est assez... Mais il faut pas que ça soit rouillé quand même. Hein. Une lame que vous avez utilisée, je sais pas moi, 3-4 fois, qui a perdu un peu de... Voilà, quoi. Mais n'utilisez pas des lames rouillées, je vous en prie. Ne commencez pas avec les lames, toutes les lames que vous voyez. Et puis utilisez des lames qui vous appartiennent. Hein? Commencez avec l'hygiène. Utilisez des lames qui vous appartiennent. Ok? Donc, si vous utilisez une lame, disons, un peu plus vieille, mais pas trop vieille, genre 3-4 fois vous l'avez utilisée. Voilà, ça, comme, vu que c'est pas tellement tranchant, ça va vous laisser des poils, voilà, ça va pas vous enlever tout en même temps, mais ça va vous enlever juste petit à petit. En fait, moi je le faisais quand j'ai commencé, parce que la première fois j'ai fait un désastre. Je me suis tout enlevé parce que j'étais pas, voilà, j'étais pas pratique. Donc la deuxième fois j'ai compris que je devais utiliser une lame voilà, que j'avais déjà utilisée. Voilà, donc elle n'est pas très aiguisée, elle n'est pas très tranchante pour m'enlever tout. Donc ça allait doucement. Le seul truc c'est que
ça, c'est comme si ça buguait quoi. À chaque fois, ça me fatiguait un peu. Mais disons que j'arrivais plus à gérer le sourcil mieux qu'une lame complètement aiguisée. Et quand j'ai commencé voilà, à prendre la main, je prends une lame aiguisée, je le fais en 2 secondes et j'ai pas de problème, ok? Donc faites un peu comme vous vous sentez en fait. Faites comme vous vous sentez. Moi, je vous montre la procédure à faire, mais faites comme vous le sentez. Si vous sentez que c'est pas un truc fait pour vous, ne le faites pas. Ne le faites surtout pas, ok? Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais commencer vers le haut. Donc je commence complètement vers le haut. Vous voyez où je mets la lame? Et je descends. Mais tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Et je m'aide avec ce doigt-ci pour tirer la peau. Parce que quand vous tirez la peau, disons que c'est plus facile pour vous de voir à quel niveau vous voulez vous arrêter et surtout de voir les tout petits poils qui sont voilà, ils sont cachés qu'on voit pas là. Donc vous les voyez tous, vous étirez la peau et c'est plus facile à enlever le poil, disons. Donc comme ça. Et à chaque fois, je vais aller nettoyer ma lame avec un coton. Voilà, j'enlève ce qu'il y a dessus. Et je reprends. Donc c'est comme vous voulez faire. Hein. Suivez, disons, la forme des poils que vous voulez avoir en fait. Donc là, je vais rabaisser un tout petit peu. Je tire toujours la peau vers le haut. Ok? Et je fais ça. Mais tout doucement, dès que vous touchez la masse de poils qui sont là, vous vous arrêtez pour voir si vous l'avez diminué comme vous voulez ou pas. Ok? N'allez pas tout d'un coup. Allez-y, mais vraiment mollo quoi. Allez-y tout doucement. Tout doucement. Si vous voulez diminuer, allez-y tout doucement. À peine vous touchez la masse de poils, vous arrêtez. À peine vous le touchez, vous arrêtez, ok? Comme ça, ça vous permet de voir si ça vous plaît ou pas, ok? On est d'accord? Essayez de brosser pour voir si c'est un truc, si c'est un résultat qui vous plaît. Donc maintenant, je vais m'attaquer au poil du bas. Donc ce que je vais faire, je vais tirer vers ici. Je prends cette partie-ci et je tire vers là, ok? Et cette fois-ci, au lieu de mettre la lamette comme ça, parce que si je fais ça, je vois pas vraiment ce que je suis en train de faire. Je vois pas à quel point je suis en train d'enlever les poils. Donc je fais pas ça du tout. Je peux faire ça pour le haut parce que je vois, mais pour le bas je peux pas le faire et je peux pas remonter non plus, sinon je vais me faire mal. Si vous remontez comme ça, vous allez vous faire mal. Non seulement vous allez enlever tous vos poils de sourcils, mais ça va bugger ici et vous allez vous tailler comme pas possible. Donc le truc c'est de mettre la lamette comme ça et tout doucement j'ai enlevé les poils qui sont là. Vous inquiétez pas, si vous faites tout doucement, il n'y a pas de risque de vous blesser. Et en plus, en mettant la lamette comme ça, vous arrivez à voir si vous devez aller plus haut, plus bas. Vous arrivez à voir en fait. Parce que le truc, c'est que vous devez voir les sourcils. Si vous me faites un truc comme ça, vous ne voyez pas. Parce que avec votre œil, vous n'arrivez pas à bien voir, ok? Donc, non seulement vous n'arrivez pas à bien voir, mais vous pouvez vous faire mal. Donc, si vous faites ça, vous voyez mieux. Parce qu'avec le coin de l'œil, vous voyez mieux. Et vous arrivez à enlever l'excès de poils qu'il y a. Ok? Donc là, j'ai envie de rendre un peu plus mince. Parce que j'ai l'impression que là, c'est beaucoup plus mince. Et là, c'est beaucoup plus épais. Donc, voilà les plus belles. Ça, c'est le résultat final de mes sourcils épilés. Si vous voulez, vous pouvez épiler un tout petit peu ici. Je le fais quasi jamais parce que voilà, j'ai pas trop de poils, donc voilà, j'ai pas que genre ça me dérange vraiment.
Mais bon. Ok, une fois que j'ai fini de les dépiler, ce que je vais faire, je vais utiliser un désinfectant. C'est très important les filles, vraiment très très important. Quand on ne veut pas s'attraper de maladie ou quoi que ce soit. Donc c'est normal de prendre un désinfectant, surtout si vous croyez que vous n'êtes pas blessé ou n'êtes pas... On ne sait jamais, des petites coupures, il y en a toujours. C'est comme quand on se rase sous le bras, il y a toujours des petites coupures. Donc c'est mieux d'utiliser un désinfectant avec du coton et vous passez ça dessus. De toute façon, ça ne brûle pas. N'utilisez pas l'alcool, sinon voilà, quoi, ça va vous piquer. Sinon, si vous utilisez un désinfectant sans alcool, ça ne vous fait rien du tout en fait. Ok les plus belles, cette vidéo est terminée. J'espère que ma petite astuce pour dépiler les sourcils va pouvoir aider les filles qui ont des problèmes avec la dépilation avec les pinces. Ou bien si vous êtes pressée, que vous n'avez pas envie de les enlever un à un. Voilà, donc c'est un truc, une petite astuce qui est assez rapide à faire. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si c'est une vidéo qui vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce vert. Et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous en supplie, les mineurs, ne le faites pas à la maison. Vraiment, j'y tiens vraiment. Je préfère. Les majeures, elles savent ce qu'elles font, même si elles, voilà, si elles se trompent, c'est des trucs qu'on peut ajuster. C'est des tirs que vous pouvez ajuster avec le crayon ou pas. Mais si vous êtes mineur, je sais pas, je préfère le dire comme ça. Et même si vous êtes majeur, c'est un truc que moi je fais, que je voulais partager avec vous. Ça peut aider comme ça peut ne pas aider. Si vous voyez que c'est un truc que vous pouvez pas faire, laissez tomber les filles, ne le faites pas. Mais en tout cas, je voulais vous montrer comment je fais mes sourcils. Donc si vous avez des choses à me dire, si vous voulez laisser un petit commentaire, vous êtes les bienvenus. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh ben c'est le moment de le faire. Je vous envoie plein de bisous. Portez-vous bien, ciao ciao. Alors la devanture, on arrange au maximum pour que ça soit le plus naturel possible. Donc voilà, au besoin, on repasse la brosse. On ne veut pas le carré devant.